sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. C'est Jésus qui est l'assurance de notre vie de demain. C'est Jésus qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Et c'est ce Jésus qui donne un sens à notre vie sur cette terre. Je prie que tu règnes en ces lieux. Je prie que tu fasses du bien à quelqu'un. Je prie que tu transformes la vie de quelqu'un. Je prie que tu remontes la vie de quelqu'un. Tu n'as jamais échoué, Jésus. C'est pas aujourd'hui que tu vas échouer. Dans les temps anciens, tu n'as pas échoué. Aujourd'hui, tu n'échoueras pas. Demain, tu n'échoueras pas. C'est pas la vie de cet homme, cette femme qui va peser pour toi pour que tu sois incapable de transformer la situation. Ah, il n'est pas très lourd pour que tu sois incapable de le transporter. Seigneur, cet homme n'est pas très lourd, cette femme n'est pas très lourde pour toi. Merci parce que entre tes mains, les choses changent et les choses changeront encore. Encore et encore. Encore et encore. C'est pourquoi nous t'acclamons comme des vainqueurs. Comme des vainqueurs. Je disais, nous l'acclamons comme des vainqueurs. S'il y a un vainqueur ici qui croit que son espèce, qu'il est enfant de Dieu, qu'il acclame en poussant de cris de joie, qu'il acclame en poussant de cris de joie, de cris de joie, de cris de joie, de cris de joie. Ah, que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Peux-tu serrer la main de celui qui est à gauche, à droite? Dis-lui bienvenue dans la présence du roi, le roi. Ah, j'ai aimé, il est le roi des rois, le Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Redis-le bien au voisin, bienvenue dans la présence du roi, bienvenue. Maintenant rassure-lui que sa vie va changer. Tu ne resteras pas le même. La manière dont il est dit n'est pas sûr. Mais moi je suis sûr qu'il ne restera pas le même. Parce que j'ai aimé cette phrase. Ton demain peut être après cette conférence. Donc tu ne resteras pas le même. Qui a dit amen très bien, il ne restera pas le même. J'ai l'habitude de dire chez nous à l'église, le plus beau cadeau que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est pas l'argent, c'est pas une maison, c'est pas une voiture, ce sont pas les enfants. Le plus beau cadeau que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est sa présence. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. C'est pourquoi moi je dis toujours, la meilleure prophétie que l'on puisse te donner, c'est quand Yahweh te dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. J'irai avec toi jusqu'à ce que je vais accomplir tout ce que j'ai déjà prévu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, il ne t'abandonnera pas. Non. Je ne parle pas d'un politicien. Je ne parle pas d'un oncle. Je ne parle pas de l'homme ou de la femme. Mais je parle de Jésus. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Qui a dit amen que la présence de Dieu l'enveloppe? Tu es formidable. Amen. La présence de Dieu, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse donner à quelqu'un. Et je suis sûr que sa présence te suffit ce soir. Voici la vision que j'ai vue quand je priais pour cette réunion. Et ça m'a beaucoup réjoui. Et c'est la pensée de prière de ce soir. En fait, je revois, Dieu me montre une entreprise. L'image qu'il me donne, c'est une entreprise qui a existé
une compagnie d'aviation, mais qui avait disparu. Ça avait disparu. Je vois un monsieur qui se lève qui dit la compagnie doit reprendre. Et puis on a commencé à chercher les gens qui ont longtemps travaillé là. On a réussi à les trouver. Mais on les a amenés dans un dépôt très sale. Dans un dépôt, il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de boue. Alors on leur a dit ceci: faites en sorte que cette place reprenne son éclat d'avant. Je répète, faites en sorte que cette place reprenne son éclat d'avant. Et puis ils ont commencé à travailler en levant la boue, en levant la poussière. Et quelqu'un parmi ceux qui travaillaient se lève, il dit ceci: ce que nous faisons, c'est bien beau, mais rassurez-nous d'abord, rassurez-nous que vous allez payer tous les arriérés pour un nouveau départ. Et puis je me réveille. Il m'a dit: ce que je t'ai montré là, ce que j'ai décidé dans la vie de quelqu'un, de remettre l'éclat qu'il y avait avant, l'éclat. Je viens prophétiser dans ta vie: retrouve l'éclat de ta vocation, retrouve l'éclat de ton ministère, retrouve l'éclat de ta vie professionnelle. Quelque chose a été renversé, mais ainsi dit l'Éternel, je retourne l'éclat qu'il y avait avant, afin qu'il y ait un nouveau départ. Voilà le mot que le Saint-Esprit m'a dit: déclare dans la vie de quelqu'un un nouveau départ. Je ne sais pas à qui je parle, mais je déclare dans la vie de quelqu'un: à partir de ce soir, il y a un nouveau départ. Qui a dit amen avec assurance qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie, un nouveau départ dans tes affaires, un nouveau départ dans ton ministère, un nouveau départ dans ce que tu entreprends, mais un nouveau départ dans la gloire. Je le déclare au nom de Jésus: que la poussière disparaisse, que la boue disparaisse. Partout on a travaillé à retirer l'éclat, laisse que la vraie valeur revient. Je ne sais pas à qui je parle. La vraie valeur revient. Si tu crois en cela, tiens-toi debout et déclare avec moi que la boue part, la poussière part, l'éclat revient parce qu'il y a un nouveau départ. Tape les mains, confesse un nouveau départ. Confesse un nouveau départ. Quelqu'un prie et déclare un nouveau départ. Quelqu'un prie et déclare que l'éclat revienne dans sa vie. Prends le temps de prier. Prie pendant deux minutes. Que l'éclat revienne dans ta vie. Je le prophétise au nom de Jésus. Yahweh dit un nouveau départ. Yahweh dit un nouveau départ. Yahweh dit un nouveau départ. J'annonce la pensée du Seigneur. Il y a une boue qui sort dans ta vie, mon frère. J'annonce la pensée du roi ce soir. Il y a une boue qui disparaît dans la vie de quelqu'un. Il y a une poussière qui disparaît. Il y a l'éclat. Je ne sais pas qui a travaillé à enlever l'éclat. Laisse que l'éclat revienne. Que l'éclat revienne. Que l'éclat revienne. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Lève la main droite, dis avec moi: Yahweh. Non, mieux que ça: Yahweh. Ce soir, je suis devant toi. Je suis devant toi. Qui est capable
de remettre l'éclat que l'ennemi avait volé. Merci pour un nouveau départ. Merci pour un nouveau départ. La boue disparaît. La boue disparaît. La poussière disparaît. La poussière disparaît. Et tu vas remplacer. Et tu vas remplacer les années perdues. Les années perdues. Parce que tu es un Dieu. Parce que tu es qui sait payer les arriérés. Qui sait payer les arriérés. Merci de changer. Merci de changer ma vie de demain. Ma vie de et demain. D'amener. Et d'amener un témoignage nouveau. Un témoignage nouveau. Qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Et que l'éclat revienne dans ta vie. Ah, si j'étais à ta place, j'allais dire amen. C'est là que je voulais dire à toute personne qui est victime des blessures intérieures. Blessures intérieures. Tu ne sais plus avancer. Depuis qu'on t'a déçu, depuis, c'est resté comme une référence. À chaque fois que tu veux aller de l'avant, tu te souviens qu'on t'a blessé. Le Seigneur nous parle d'un nouveau départ ce soir. Essaye d'abord d'oublier cette blessure. Le meilleur est à venir. Parce que le plan de Dieu n'est pas fini avec ta vie. Qui a dit amen. Amen. Et le seul conseil que je donne à tous les enfants chez nous à la maison, filles ou garçons qui se retrouvent victimes d'une déception. Écoute ma sœur. Un jeune homme t'a promis qu'il va t'épouser et puis au milieu de la route il te dit il ne peut plus t'épouser. Bon. Dis d'abord avec moi. Dis d'abord bon. Bon. Alors, je ne vois pas pourquoi tu vas te tuer pour ça. Le seul conseil que je donne chez nous à l'église c'est si le jeune homme t'a refusé, concentre-toi aussi, refuse-le. Si je dis concentre, c'est-à-dire réunis toutes sortes de forces intérieures, tu le refuses aussi. Mais parce que si tu m'as refusé, je fais comment? Je te refuse aussi, non? Et si je te refuse, je fais quoi? J'avance. Le meilleur est à venir. Je répète, je dis le meilleur est à venir. Tu sais pourquoi Dieu ne t'a jamais donné les yeux derrière, mais il t'a donné les yeux devant? C'est parce qu'il te pousse à regarder vers l'avant. Le meilleur est à venir. Qui a dit amen parce que le meilleur est à venir? Tu sais pourquoi tes pieds sont tournés vers devant et pas derrière? C'est parce que tu es programmé à aller devant, pas derrière. Qui a dit amen? Bon, ceux qui ont travaillé dans l'aviation comprennent que l'avion ne fait pas de marche arrière, mais fait de marche avant. Les adolescents se fatiguent. Les jeunes gens chancèlent. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent l'envol comme des aigles. Et l'avion, c'est un appareil qui imite un oiseau qui vole. Bon. Si en te confiant en Dieu, tu prends l'envol, ce que tu n'es pas appelé à aller derrière. L'avion qui va derrière, on le pousse derrière. Et c'est pourquoi on utilise des appareils qu'on appelle push-back. C'est-à-dire le pousser derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse derrière. Dieu ne t'a jamais programmé à aller en arrière. À partir d'aujourd'hui, retrouve la loi de programmation de ta vie. Et cette loi te pousse à aller de l'avant. Et croître à tous égards, c'est récupérer la capacité d'aller de l'avant. Je prophétise au nom de Jésus. Ira de l'avant. Et si tu dis amen bien, va de l'avant. Pas en arrière, mais de l'avant. J'avance. Quelqu'un dit avec moi, j'avance. J'avance. Ah, dis encore bien, j'avance. J'avance. Et je dis tous les jours, Seigneur, à l'église, hein, que le plus important, même si tu n'as pas encore atteint le niveau de ton rêve, le plus important, sois sûr que tu avances.
Parce que les gens te diront, d'accord, tu n'as pas encore eu la maison de tes rêves. Ce n'est pas un problème. Mais je ne suis pas non plus dans la bicoque où j'étais hier. J'avance. Quelqu'un dit avec moi, j'avance. J'avance. Même si tu n'as pas encore eu les véhicules là que tu rêves. Bon, tu as encore ce qu'on appelle quête. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas piéton comme tu étais hier. J'avance. J'avance. Oh, tout celui qui avance, pas à pas, il va en direction de quelque chose. J'ai une bonne nouvelle à te donner ce soir. C'est que le ciel remet en toi la capacité d'avancer. Jésus, quand il arrive dans le Nouveau Testament, il croise un homme expérimenté dans la pêche, mais qui a échoué toute la nuit, et qui veut rappeler appeler à Jésus que hier j'ai travaillé. Ce n'est pas une affaire de j'ai travaillé. Le passé est déjà passé. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Avance. C'est la première chose qui sort de sa bouche. Parce que quand le Seigneur arrive dans une vie, il te le dit, avance. Et je reviens ce soir, mandaté par le Seigneur, afin de dire à quelqu'un, avance. Et si tu dis amen, bien avance. Même si tu es assis, fais d'abord le pied comme ça, j'avance. Fais comme ça, j'avance. C'est prophétique, tu sais. Fais avec moi, j'avance. J'avance. Tiens-toi d'abord debout. Fais d'abord un pas et dis j'avance. Quelle que soit la résistance, j'avance. Ce que tu viens de faire là, spirituellement, ça va se faire. Que tu avances. Que tu avances. Et que tu avances. Qui crie amen et qu'il avance. Assieds-toi. Vanda. Tu as été programmé pour avancer. Je recommande, je dis, tu as moi et toi. Nous avons une programmation céleste d'aller de l'avant. J'avance. Et l'objectif de cette semaine, c'est que il faut que tu sois sûr que là où tu étais hier, ce n'est pas là où tu es aujourd'hui. Sois sûr qu'on te cherche là où tu étais hier, on ne te trouve pas là, et qu'on dise il a avancé. Et si tu as avancé aujourd'hui, demain ne sois pas là où tu es aujourd'hui. Parce que si tu avances là où tu étais, c'est pas là où tu es, et là où tu seras, ce n'est pas là où tu es maintenant. C'est pas un problème de courir. Même si Dieu ne t'a pas donné la loi d'espèce de courir, Esaïe a très bien précisé, très bien. Esaïe a très bien dit. Il a dit, il y a ceux qui volent, il y a ceux qui courent, mais il a fini en disant, il y a ceux qui marchent. Ça, c'est très bien dit. Il court, il ne s'arrête pas. Il marche et ne se fatigue pas. C'est que si moi, je n'ai pas l'onction de courir comme toi, ce n'est pas un problème. Mais au moins, je voudrais me rassurer que je suis en train de marcher. Et tu sais, quand tu marches, même si tu ne cours pas, pas à pas, tu vas te rendre compte que tu n'es plus là où tu étais. C'est pourquoi tu disais hier que les gens te méprisent de loin, mais quand ils s'approchent de toi, qu'ils se rendent compte que tu as avancé. Et je vais te donner un exemple. Je suis ici derrière. Je ne cours pas. Je fais un premier pas. Je fais un deuxième pas. Je ne suis pas là où j'étais. Je fais un troisième pas. Je ne suis plus là où j'étais. Une chose est certaine, si je continue comme ça, je verrai là au fond, sans courir, mais en marchant, je suis en train d'avancer. Je dis à quelqu'un, le Jésus du Nouveau Testament, quand il entre dans une vie, il te dit simplement, lève-toi, marche.
Retrouve les pieds que le diable a coupé. Soit ma colo diable le sia kataki. Je recommence, je dis retrouve les pieds que le diable a coupé. Retrouve les pieds que la sorcellerie a coupé. Et que le ciel remette ses pieds sur tes affaires. Sur ton ministère, sur tout ce que tu fais. Ça récupère les pieds. Et soit ma colo. Pour que tu avances. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle à te donner. N'envie pas quelqu'un qui est devant. Parce que sa vie d'aujourd'hui, c'est ton futur de demain. Je répète, n'envie pas celui qui est devant. Parce que sa vie d'aujourd'hui, c'est ton futur de demain. Mais voici la bonne nouvelle. Pendant que tu l'envies parce qu'il est devant, ta vie d'aujourd'hui, c'est d'hier. Je recommence pour celui qui veut comprendre. Il est devant. Ne l'envie pas. Parce que sa vie d'aujourd'hui, là où il est devant, c'est ton futur de demain. Tu seras là où il est. Alors ne l'envie pas. Parce que là où toi tu es, c'est là où il était hier. S'il a avancé, toi aussi tu avanceras. Qui a-t-il à mettre ce soir parce qu'il va avancer? Et la prière que l'on va faire, c'est que tu avances. Et croître, c'est avancer. Et quelle est la raison qui fait que tu avances? Parce qu'en toi, il y a une vie. Et cette vie-là, c'est une vie supérieure. On appelle cela la vie de Dieu. Alors, lisons trois textes. Un des textes sont là hier, mais relisons encore cela. Et puis je vais essayer d'aller comme je peux aller, et là où je dois m'arrêter, je m'arrêterai. Parce que je sens dans mon esprit que nous allons prier pour déclarer que nous allons avancer. Quelqu'un dit amen, que nous allons avancer. Amen. Alors Genèse chapitre 1, verset 11 et verset 12. Genèse 1, 11, 12. Tiens-toi debout avec ta Bible et déclare cela, ne fût-ce que cette première lecture. Lisons-la ensemble. Genèse chapitre 1, le verset 11 jusqu'au verset 12, avec beaucoup d'énergie. Come on, 1, 2, 3, puis... J'entends 2, 3 personnes seulement qui lisent, je ne sais pas pourquoi il y a d'autres qui ne lisent pas. Et même si tu ne lis pas, honneur à la parole de Dieu, tiens-toi seulement debout, ok? Nous, nous allons lire. Je sais que dans les jours qui viennent, il y aura des écrans ici où on projette des textes, on peut lire ensemble. C'est pas extraordinaire. Allons-y, 1, 2, 3, puis Dieu dit... Selon leur espèce... sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était comment? Vous pouvez vous asseoir et tu vas comprendre pourquoi c'est très bon. Allons-y, Ésaïe chapitre 60. Et ce texte d'Ésaïe 60 est une prophétie. Ésaïe 60. Et je prends deux versets. Et en étant assis, nous allons le lire ensemble. C'est le verset 21 et c'est le verset 22. Et je veux que tu prennes ça comme une prophétie de ta vie. Ésaïe 60, verset 21-22. Allons-y, 1, 2, 3. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Il a toujours le pays. Non, dis-le bien. C'est le rejetant que j'ai planté. Encore une fois, c'est le... Alors,
tout celui qui a été là hier comprend que finalement il n'y a pas que Joseph qu'on a appelé le rejeton, mais toi et moi, justifiés par le Seigneur, nous devenons aussi des rejetons que Dieu lui-même a planté. Qui a dit amen? C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Verset 22. Lis-le, s'il te plaît, lis-le. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Je recommence encore le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Alors je parle à quelqu'un qui est considéré comme le plus petit. Je lui dis, ça c'est pas un problème. Le plus important, c'est que tu deviendras. Aïe, 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 aïe. Je répète, le problème ce n'est pas qu'on te considère comme petit, mais le problème c'est qu'en toi il y a le pouvoir de devenir. Je recommence encore. Le problème c'est pas que tu commences petit. Commencer petit c'est normal. Rester petit ce n'est pas normal. Commencer petit c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est rester petit. Si les gens se moquent de toi en disant tu as commencé petit, dis-leur c'est tout à fait normal de commencer petit. Parce que Jésus est né comme un bébé. Le ciel pourtant était capable de l'envoyer sur terre comme Adam. Il était le second Adam. Le ciel était capable de le descendre à 30 ans déjà sur la terre. Il apparaît, il commence. Mais Dieu a permis qu'il naisse petit. Mais Luc a dit, il croissait. Donc le problème, c'est pas que tu commences petit, mais le problème, c'est ta capacité de croître. Je dis à quelqu'un, tu deviendras. Parce que le pouvoir de devenir se trouve en Dieu. Tu as raté là où il fallait dire amen. Le pouvoir de devenir se trouve en Dieu. Et tu deviendras. Vous ne savez plus, on dit ceci. Il dit Moïse. Devenu grand. C'est qu'en Dieu, il y a un pouvoir de devenir. Vous n'avez jamais lu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir. Or, quand on dit le pouvoir de devenir, ça signifie tu n'étais pas. Peu importe que mon nom ne soit pas sur la liste des grands aujourd'hui, mais en moi, il y a un pouvoir de devenir. Le plus petit deviendra un millier. Parce que moi, l'Éternel, je pousserai ces choses. Je dis à quelqu'un, c'est pourquoi au début je t'ai dit, le plus beau cadeau que Dieu te donne, c'est sa présence. Parce que quand il est là, tu peux devenir. Donc je t'autorise à rêver tout ce que tu peux rêver et que personne ne t'empêche de rêver, parce que Dieu est celui qui fait devenir. Qui a dit amen et que quelqu'un devienne? Non, je deviendrai. Quelqu'un ajoute. Moi, je t'ai dit seulement, je deviendrai. Mais maintenant, toi, tu ajoutes. Je mets trois points. Je deviendrai. Ajoute. Je deviendrai. Je deviendrai. Toi, commence seulement à citer. Moi, je dis, je deviendrai. Et toi, tu ajoutes. Je deviendrai. Je deviendrai. Je deviendrai.
Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont peur de dire parce que lui-même s'est dit ça ne dépend pas de toi. Le pouvoir de devenir dépend du Créateur. Je recommence encore. Ainsi dit l'Éternel. Je deviendrai. Je deviendrai. Je deviendrai. Je deviendrai. Peu importe ce que tu es aujourd'hui. Je dis je deviendrai. Alors que les gens prennent un rendez-vous avec ton futur parce que tu deviendras. Tape ici, tu deviendras. Yes. Tu deviendras. Amen. Sinon, je ne serai pas ici devant. Amen. Si je suis ici devant, c'est parce que je suis devenu ce que je n'étais pas. Je recommence. Sinon, je ne serai pas ici devant. J'étais comme toi assis là, écoutant comme tu écoutes, mais disant amen à chaque fois que je disais amen, j'avançais. Ah, tu as raté là où il fallait dire. À chaque fois que je disais amen, je faisais un pas. Parce que dire amen, c'est dire ainsi soit-il. Dire amen, c'est valider. À chaque fois que j'ai validé, j'ai avancé. De derrière, jusque quelque part. De quelque part, jusque quelque part. De quelque part, jusqu'ici devant. Or, Dieu dit, la liste de ceux qui doivent passer devant n'est pas clôturée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui deviendra aussi. Et c'est ton amen qui rassure que tu vas devenir. Parce que chaque fois que tu dis amen, tu avances. Ah mon Dieu, je sens la présence de Jésus en ce lieu. Hein? Ah mon Dieu, je sens qu'il est là. Je le sens qu'il est là. Chaque personne qui marche avec Dieu a des choses qu'il sait voir et sentir qu'il est là. Non, je te rassure. Le Seigneur est ici ce soir. Pourquoi? Parce que toi, tu dois devenir. Alors, tout ce qui t'empêche de devenir, c'est ce qu'on appelle la mauvaise semence. Il a fait des arbres avec ses mains pour permettre à ce que ça croisse. Alors, ce qui fait que toi, tu ne croisses pas, c'est que quelque part, il doit y avoir une mauvaise semence. Je reviendrai sur l'autre texte plus tard. Je vais l'évoquer même en parlant. Il y a une mauvaise semence qui fait que tu ne croisses pas. La bonne semence incarne la vie de Dieu. Il a fait des arbres hein, qui avaient la semence. Et cette semence cachait la vie. Et cette vie-là n'est pas la vie des hommes, mais la vie de Dieu. Je disais hier, malgré l'opposition, ce peuple était en train de croître. On les a empêchés. Pharaon a dit, empêchons-les. Mais l'ordre de Pharaon ne les a pas empêchés parce qu'en eux il y avait une vie et cette vie-là est une vie supérieure et la vie supérieure n'obéit pas aux lois de tout le monde. La vie supérieure obéit seulement à l'ordre de Dieu. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Je prophétise, pas selon ce que moi je crois, pas selon ce que je vois, pas selon ce que je pense, mais je prophétise suivant la pensée de Dieu. Je prophétise suivant l'ordre de Dieu. Et comme je prophétise, il y a eu un mouvement. Parce que sur cet ordre-là, une autre vie est entrée là. Et cette vie-là, qu'on appelle Zoé, est entrée pour ressusciter les ossements.
Ton histoire n'est pas finie. Lui, je répète à quelqu'un, j'ai dit ceci. Ton histoire n'est pas encore finie. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'enlever la mauvaise semence et laisser la bonne semence entrer. Laquelle semence cache la vie de Dieu. C'est tout ce qu'il faut faire dans ta vie. Et le reste, à cause de cette vie de Dieu, malgré l'opposition, on va te voir avancer. Nous vivons dans un monde de conditions. Mais au milieu des conditions, Dieu peut te faire voir la différence. Quelqu'un dit amen. Amen. À l'université, on a passé du temps à nous expliquer toujours, continuellement. J'ai fait ce qu'on appelle la licence en chimie à l'université. Et tout ce qu'on nous répétait, pour qu'il y ait telle réaction avec telle réaction, il faut que la température, il faut que la pression, il y a toujours des conditions. Il dit il faut que telle condition soit réunie pour qu'il y ait réaction. Il faut que telle condition soit réunie pour qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait telle condition pour que le miracle se passe. Écoutez, enfant de Dieu, dans ce monde, il y a toujours des conditions. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas ça. Si ceci n'est pas là, ceci ne se fera pas. Mais j'ai aimé un jour, un professeur se lève. Très intelligent. Il nous dit ceci. Les particules ne peuvent pas se mettre ensemble et former un autre composé s'ils ne réunissent pas un niveau d'énergie qu'on appelle énergie de la réaction. Je ne vous enseigne pas la science. Je vous enseigne la Bible dans la science. Alors il continue. Et puis il dit, néanmoins, il y a des particules qui réagissent sans avoir le niveau de l'énergie. Alors il dit, ça s'appelle effet tunnel. Comme je suis un pasteur, j'ai senti au fond de moi l'excitation. Un ami qui était un théologien pose la question au professeur. Monsieur le professeur, comment peux-tu expliquer que les particules n'ont pas réuni l'énergie qu'il faut, mais ça formait un composé? Il prend la craie, il va au tableau. Nous avons attendu une démonstration. Nous avons attendu une démonstration. Et puis avec sa craie, il retourne, il dépose la craie et il dit, monsieur l'étudiant, ça, il faut demander au prêtre ou au pasteur. J'ai fait la main comme ça. Alléluia. Donc c'est que même dans la science là, là où il y a des conditions, Dieu peut violer ces conditions là. C'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui m'étonne. Il y a des conditions, mais Dieu peut outrepasser. Ça c'est le bon terme. Yes. Français, hein? Amen. Dieu peut outrepasser. Il peut passer outre pour faire à ce que les particules réagissent. Maintenant écoute, si Dieu peut faire comme ça pour les particules, Dieu peut le faire pour ta vie. C'est ton amen qui m'étonne. Dieu peut le faire pour ton mariage. Dieu peut le faire pour ton travail. Il peut passer au-delà des conditions pour te faire descendre là où tu dois descendre. Alors les gens se posent la question. Tu es passé par où? Toi tu réponds. Il a créé un tunnel. Je suis en train de voir un tunnel pour la vie de quelqu'un. Il a créé il a fait un tunnel. Je suis passé. C'est pourquoi j'aime. Chez nous, on chante à l'église, on dit, il fend la mer et je peux la traverser. Parce que je suis enfant de Dieu. J'ai une vie. Et cette vie-là n'est pas bloquée dans les lois de tout le monde. Cette vie-là, c'est une vie supérieure.
Maintenant, expliquez-moi. Il a ouvert la bouche. Il a dit que les arbres apparaissent. Maintenant, regardez. C'est au troisième jour. Comment les arbres vont apparaître? Alors que les luminaires viennent au quatrième jour. Comment ça va se faire? Parce que, toujours dans la science, on m'a enseigné que pour qu'une plante puisse sortir, il y a des conditions. La première condition, il faut qu'il y ait de l'eau. Regardez là, Dieu dit que la terre produise. Où est l'eau? Parce que la pluie n'est pas encore tombée. Ton amène m'étonne. Je recommence. Dites-moi, vous là, qui êtes intelligent, dans cette église, il y a beaucoup de gens qui étudient et qui ont étudié. Comment les plantes peuvent sortir alors qu'il n'y a pas d'eau? Première condition. Pas de pluie. Mais Dieu dit que les plantes apparaissent. Et les plantes ont poussé sans la pluie. Ah! On m'a enseigné que pour que les plantes poussent, il y a une réaction qu'on appelle photosynthèse. Il faut qu'il y ait la lumière pour que ça pousse. Au troisième jour, il n'y a pas de soleil. Mais Dieu dit que les plantes poussent. Où est la photosynthèse? Je ne la vois pas, mais je vois les plantes apparaître. Troisième condition, on m'a appris, pour que les arachides poussent, il faut qu'on jette les arachides en bas. Dieu dit ceci, même pour que manguier pousse, il faut qu'on prenne un noyau qu'on les plante. Dieu donne l'ordre que les arbres apparaissent. Où est la semence? Où sont les noyaux? Mais on voit les arbres. Et lui-même dit, dans ces arbres-là, il y a des fruits. Ton amène m'étonne. Mais je vais t'aider. Tu vas comprendre. Je vais t'aider. Moi, j'ai commencé à me poser la question. Où est l'eau? Comment ça peut pousser? Je découvre que l'eau se trouve dans les dieux dits. C'est ton amen encore qui m'étonne. C'est ton amen encore qui m'étonne. Donc quand Dieu dit, dès qu'il dit, il amène le manquant dans ce qu'il dit. Si tu dis amen, que Dieu amène les manquants. Encore ton amen me pose un problème. Mais tu vas y arriver. La vie a toujours un manquant. Les gens te regardent et disent, comment tu vas préparer alors qu'il y a les manquants? Tu as l'eau, mais tu n'as pas la farine. Mais Dieu dit, tu mangeras. Dès qu'il dit tu mangeras, quand il parle, sa parole transporte ce qui manquait. Ce soir, Dieu dit, ta vie changera. Et pendant qu'il dit, il amène les manquants. Si tu dis amen, bien reçoit les manquants. Yoka amen ayo. Yoka amen. L'ainsi dit l'Éternel, transporte ce qui manque pour que la chose soit possible. Et comment on a coqué? Finalement, Nasuka. Où est l'eau? L'eau, c'est lui-même. Mai yemoko. L'eau, c'est la parole. Mai esa maloba. Maintenant, je reviens. Nazongi. Où est le soleil? Wapi moi. Il a dit que le soleil, alors que les plantes apparaissent. Moi, il n'y a pas le soleil. Moi, esate. Lui-même yemoko. Et le soleil. Moi. Si tu dis amen, qu'il soit le soleil de ta vie. Ah. Le psalmiste vient et dit oui, ceci. Mieux habiter dans la présence de Dieu un jour que mille ans ailleurs. Car Dieu est un soleil et il est un bouclier. Il ne refuse pas la grâce et le bonheur à ceux qui marchent dans sa voie. Ça signifie quand il dit que les plantes poussent, lui-même est le soleil. Et la troisième chose, où est la semence?
Là, c'est encore très bien. Un semeur sorti pour s'aimer. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Et puis, les disciples lui posent la question. Mais dis-nous, toi aussi. Mais c'est quoi comme un semeur, la semence? Jésus regarde et dit, la semence, c'est la parole. Donc, finalement, l'autorité suprême de tout l'univers, c'est la parole de Dieu. C'est l'autorité suprême de tout l'univers. Tout ce qui soutient, tout ce qui existe là, c'est sa parole. Je recommence. L'autorité suprême de tout l'univers, comme vous voyez, et la chose qui soutient tout l'univers, c'est sa parole. Je recommence encore. Tant qu'il avait dit que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas, cette parole n'a jamais été révoquée. Et tant qu'il a dit comme ça, sa parole soutient les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Que les sorciers montent, que les sorciers descendent, ils ne feront jamais tomber les eaux d'en haut et ils ne détruiront jamais la terre, parce que la parole continue à soutenir ce que Dieu a dit. Ce soir, je ne suis pas venu t'amener l'argent. Je ne suis pas venu t'amener les voitures. Mais ce soir, je t'amène l'autorité de tout l'univers. C'est l'ainsi dit l'éternel. Assieds-toi. C'est comme ça que j'ai fait retenir aux intercesseurs par cœur ce texte. Chacun devait le retenir. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Les nations y afflueront. Le peuple y iront. Et qu'est-ce qu'ils disent? Allons à la maison de l'Éternel, car de Jérusalem sortira la loi et de Sion sortira l'ainsi dit l'Éternel. En conséquence, il sera l'arbitre. Comment il sera? Comment l'arbitre? Donc la parole de Dieu joue le rôle de l'arbitre. L'arbitre, c'est-à-dire celui qui décide que le match se termine. Et celui qui décide des fautes. Et celui qui décide des pénalties. Et moi, je te parle de l'arbitre qui est la parole de Dieu. Ça signifie ceci. Quand l'ennemi vient avec la mauvaise semence, et cette mauvaise semence t'empêche de percer. Cette mauvaise semence t'empêche d'évoluer. Cette mauvaise semence t'empêche de croître. Pour vaincre cette mauvaise semence, il faut que l'arbitre s'élève. Or, l'arbitre, c'est la parole de Dieu. Il faut que Dieu dise à la mauvaise semence, stop. Dis avec moi, stop. Dis encore avec moi, stop. J'entends pas très bien. Je vais bientôt terminer. Dis avec moi, stop. Non, si ça calate, le bas, stop. Et si l'arbitre siffle, mais ceux qui arbitrent, bêtis, piololo, même si l'adversaire allait avec le ballon jusque tout près des buts, si l'arbitre a sifflé, le joueur s'arrête là où il est. S'il marque, le but ne comptera pas. Je dis à quelqu'un, les ennemis ont marqué dans votre camp des buts que le ciel a annulé. Est-ce que tu sais qu'il y a la mort qu'on a annulée dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des malédictions qu'on a annulées? Quand il était à la croix, il a effacer l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. En d'autres termes, étant la parole, il a sifflé en disant brrr, stop, arrêtez là-bas. Augmentez-lui quelques jours parce qu'il doit récupérer ce qu'il avait perdu. En tant qu'arbitre, il peut ajouter une prolongation. Ah. Yes.
Je vois comment on prolonge la vie de quelqu'un. Ton amen m'étonne. Je vois comment on prolonge. Tu sais pourquoi on prolonge? Pour que tu vives ce que Dieu a dit. Tu sais pourquoi on prolonge? Pour que tu racontes les œuvres de Yahweh. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de Yahweh. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Pour faire quoi? Pour vivre ce que Yahweh a dit. Ce soir, je rétablis sur ta vie l'autorité de la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est l'autorité suprême de tout l'univers. Ce soir, j'enlève toute mauvaise semence qui t'a empêché de croître. Semence d'échec, semence de malédiction, semence de dépouillement, semence de confusion. Ça sort pour que le plus petit devienne une grande nation. Pourquoi? Parce qu'il va vivre rien que ce que Yahweh a dit. Je vais terminer en te disant, la parole est tellement puissante que même Dieu lui-même ne viole pas sa parole. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est l'autorité suprême de tout l'univers. Est-ce que vous savez que tant que Dieu n'a pas encore parlé, il est souverain. Et sa souveraineté se bloque en un point dès qu'il ouvre la bouche et qu'il parle. Parce que ma Bible à moi dit, il veille sur sa parole. Bon, maintenant regardez, s'il doit veiller sur sa parole, alors qu'est-ce qui est devant? Sa parole. Et lui il est derrière, veillant sur sa parole. Donc si la parole de Dieu est Dieu, alors la parole est Dieu pour Dieu lui-même. Maintenant, si la parole est Dieu pour Dieu, alors la parole est Dieu pour la sorcellerie. C'est ton amen qui m'étonne. Si la parole est Dieu pour Dieu, alors la parole est Dieu pour tes ennemis. Alors il dit à Moïse, j'ai fait de toi un Dieu devant Pharaon. Parce que qu'est-ce que tu fais en Égypte? Ce que tu feras, c'est d'amener ma parole. Ainsi dit l'Éternel, j'ai vu la souffrance de ce peuple et la bataille entre Moïse et Pharaon n'est pas la bataille des muscles. La bataille, c'est la parole. À chaque fois que Moïse apparaît, il dit à Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple. En d'autres termes, c'est comme s'il dit à Pharaon, la parole mais dépasse-moi, la parole est Dieu pour Dieu, la parole est Dieu pour toi. Parce que Pharaon en Égypte est considéré comme un Dieu. Mais la parole est Dieu sur Dieu, et Dieu sur tous les dieux, et Dieu sur tout ce qui veut dominer. C'est pourquoi, pour que les plantes poussent, il a donné un ordre. Même si les gens ne veulent pas, alors l'ordre de Dieu, tout s'incline. Je termine en te disant, cet homme était un pêcheur. Cet homme était expérimenté dans les poissons. Mais ce jour-là, il n'a pas attrapé du poisson. Jésus est venu. Il n'a pas dit, jetons les appâts. Jetons les appâts. Jetons les appâts. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein? Ce qui fait que le poisson. Jésus n'est pas venu avec un conteneur des appâts. Parce que si je viens avec les appâts, c'est que j'ai donné l'occasion au poisson de venir. Le seul appât qu'il avait, c'est sa parole. Jette le filet et tu attraperas le poisson. Ce jour-là, les poissons qui fouillent le filet se précipitent dans le filet. Parce qu'un ordre a été donné. Et celui qui a donné l'ordre
ordre, c'est la parole. Et en venant sur la terre, Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il a habité parmi les hommes. Nous avons contemplé sa gloire de sa plénitude. Nous avons reçu et la grâce pour grâce. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Yakokoma. Je n'entends pas le pouvoir. Yakokoma. Encore une fois le pouvoir. Yakokoma. Acclame d'abord très fort la parole de Dieu. Et nous allons prier. Fermez les yeux, nous allons prier. Première chose, je voudrais que chacun de nous ce soir, tiens-toi debout, pourquoi tu restes assis? Dans un temps comme celui-ci, pourquoi veux-tu être étranger à la grâce de Dieu? Pourquoi veux-tu être étranger à l'action de Dieu? Même si tu es malade, ainsi dit l'Éternel, sois guéri. Ne cherche pas où les médecins. Sois guéri. Première prière. Je voudrais que chacun enlève de sa vie toute mauvaise sémence. Sémence de maladie. Sémence de malédiction. Sémence de destruction. Sémence qui t'empêche de croître. Que ça sorte de ta vie. Que ta vie soit sanctifiée de mauvaises sémences. Tape les mains et déclare cela. Les mauvaises sémences sortent. C'est ta manière de prier qui m'étonne. Les mauvaises sémences sortent. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. L'autorité suprême de tout l'univers, c'est la parole de Dieu. L'autorité suprême de tout l'univers, c'est la parole de Dieu. L'autorité suprême de tout l'univers, c'est la parole de Dieu. L'autorité suprême de tout l'univers, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux enlever la mauvaise sémence? J'enlève de ma vie toute mauvaise sémence. J'enlève de ma vie toute mauvaise sémence. J'enlève de ma vie toute mauvaise sémence. Oh, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Je dis, Seigneur éternel, tu le sais. Et je me suis mis à déclarer la parole de Dieu. Et un mouvement a commencé à se passer dans ma vie. Un mouvement a commencé à se produire dans ma vie. Un mouvement a commencé à s'établir dans ma vie. L'ordre a été rétabli dans ma vie. Parce que la parole a repris sa place. Papa, ce soir, toute mauvaise sémence qui empêche la croissance, que cette mauvaise sémence disparaisse au nom de Jésus. Le péché est une mauvaise sémence. Que ça sorte de nos vies au nom de Jésus. Encore une minute, parle, 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 parle. Loba, 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 loba. Shabababa, ye kekekebe, koya mama mama, ye kekebe, shokokobo, shinaba yeba, yalabalabalaba, shendebe koyoboshi, ye kekebe, shendebe koyobosheba, yalabalaba, sandaba yakaka, yokokobo, shinaba yababa, yikamalabash. Encore 30 secondes, que la mauvaise sémence sorte. 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 Au nom de Jésus. La combo na Yesu. Deuxième prière. Deuxième prière. Je venais de le déclarer tout à l'heure. La parole de Dieu, c'est l'autorité suprême de tout l'univers. La parole de Dieu, elle est Dieu
La parole de Dieu, elle s'impose sur les adversaires. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Je prophétisais suivant la parole de Dieu. Je voudrais que quelqu'un regarde dans sa vie tout ce que l'ennemi a détruit, partout l'ennemi a renversé. Tu vas commencer à déclarer, ça reprend de pousser, ça reprend de croître, ça reprend d'évoluer à cause de l'incit de l'Éternel. Tape les mains, déclare la parole de Dieu qui dit que la vie reprend une vie différente de la vie des autres. Et cette vie-là n'obéit pas aux lois de tout le monde, parce que cette vie-là s'appelle Zoé. C'est la vie de Dieu. Jean l'a dit. La vie qui était auprès du Père nous a été manifestée. Shababa, yika kaka, yoko koko bo, yendaba yaba saba, yala balaba sendebe yobe, yekekebe shondobo yema, yala balaba sendebe yokoko, yebebebe yokakaba salaba baba, yala balaba sendebe yoba. Tout ce qui était détruit reprend la vie. Tout ce qui était renversé se remet debout. Tout ce qui ne pouvait pas bouger commence à bouger. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Quelqu'un peut le confesser? Notre vie. Troisième prière. Le samba misato. Baissez le volume. Troisième prière. Le samba misato. Le même Jésus qui est apparu devant Pierre. C'est le même Jésus qui t'apparaît ce soir et qui te dit: avance. La troisième prière qu'on va faire, c'est de déclarer que là où nous étions hier, c'est pas là où nous devons être aujourd'hui. Et là où nous serons demain, c'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais que quelqu'un puisse avec assurance prier, confesser qu'il avance. Écoute-moi, enfant de Dieu. Il a dit à Pierre: avance. Plusieurs jours après, des années se sont passées, Pierre aussi se retrouve devant un paralytique. Ce qu'on lui a dit, il peut aussi les répercuter. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, celui qui m'avait dit avance, au nom de Jésus, je te dis toi aussi, lève-toi, marche. Je voudrais que tu confesses: à partir d'aujourd'hui, je vais avancer parce que ça va marcher. Ce qui ne marchait pas reprend à marcher. Tape les mains, déclare: ça va marcher, ça va marcher. Ça va marcher. Mon ministère va marcher. Sur le plan financier, ça va marcher. Sur le plan spirituel, ça va marcher. Sur le plan des échecs, ça va marcher. Est-ce que quelqu'un déclare: ça va marcher? Ça va marcher. 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 J'avance. Ça va marcher. J'avance. Est-ce que je t'entends? Tu dis: j'avance. J'avance. Dis-le. Lobango.
là où je serai demain. Ce n'est pas là où je suis aujourd'hui. Parce que j'avance. Parce que je marche. Le pouvoir de devenir m'est accordé. Le pouvoir de devenir. Le plus petit deviendra un millier. 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 Et la dernière prière. Le Sambosuka. La dernière prière. Le Sambosuka. Je voudrais que tu confesses ce que tu as dit quand je prêchais là. Ce que tu avais dit là. Maintenant tu vas le déclarer en priant. Je deviendrai ceci. Je voudrais que tu le dises en priant. Le plus petit deviendra un millier. En lui il y a le pouvoir de devenir. Tape les mains, déclare. Déclare cela. Je veux devenir. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu deviendras ce que tu es en train de dire. Tu deviendras ce que tu es en train de confesser. Merci le roi. Merci le roi. Alors que nous sommes les yeux fermés. Laisse-moi t'aider. Je sens le Saint-Esprit en ces lieux. Il y a un pouvoir de transformation. Tu es en train de devenir. De la même manière qu'une chenille peut devenir un papillon. Dans ta vie, ainsi dit le Seigneur, tu vas devenir. Que le Saint-Esprit travaille dans ta vie pour que la parole devienne une réalité. La parole a été faite chair. Ça se fera aussi dans ta vie. Yebo Shindaba Kamalabasanda. Laisse que tu deviennes. Laisse que tu deviennes. Laisse que tu deviennes. Laisse que tu deviennes. Yebo Shamamama. Tout ce qui t'est bloqué te lâche. Toute prison te libère. Toutes sortes de liens tombent. Toutes sortes de péchés qui t'empêchaient d'évoluer. Que ce péché s'éloigne de toi. Que le ciel te débarrasse de ce péché-là. Rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et entrons dans la carrière afin de devenir ce que Dieu a prévu que nous soyons. Saint-Esprit, saisis cet homme. Saint-Esprit, saisis cette femme. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Transforme-le. Parce qu'il va devenir. Elle va devenir ce que tu es en train de dire. Je vois des prisons qui s'ouvrent. Je vois des eaux qui se séparent. Ah, je vois des chemins qui se créent. Je vois des ventres qui s'ouvrent. Il y a une puissance de transformation. Parce que tu es en train de devenir. Je vois les écailles qui tombent. Je vois les yeux qui s'ouvrent. Ah, je vois des douleurs, des dents qui disparaissent.
Je vois des avortements qui s'arrêtent. Je vois des esprits de perte qui s'arrêtent. Parce que la parole reprend la place dans la vie de quelqu'un. Parce que la parole s'impose. Que ta délivrance soit effective maintenant. Que ta délivrance soit effective. Que ta guérison soit effective. La parole de Dieu libère la vie de quelqu'un. Libère la vie de quelqu'un. Ossements desséchés. Écoute la parole de Dieu. Situation compliquée. Écoutez la parole de Dieu. Échec. Écoute la parole de Dieu. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Que ça change. Que ça change. Au nom de Jésus. Rebo Shandabayaba. Rekakakakabashe. Koya mama mama. Je sens la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Les vies changent. Les vies changent. Il y a des maladies qui sont restées des années, des années. Mais sous la parole de Dieu, ainsi dit l'Éternel, sois guéri. Ah, il y a des pertes qui disparaissent. Ainsi dit l'Éternel, récupère les arriérés. Ainsi dit l'Éternel, récupère ton éclat. Ainsi dit l'Éternel, récupère ta force. Merci le roi. Même les ministères qui étaient morts revivent ce soir. Les affaires qui étaient mortes revivent ce soir. Je le sens ce soir. Ossement desséché. Écoutez la parole de Dieu. Ossement desséché. La vie va reprendre. Ossement desséché. La chair va pousser. Ossement desséché. La peau va revenir. Ossement desséché. Le souffle. Le souffle. Le souffle. Va rentrer maintenant. Oh, je vois beaucoup de miracles qui se passent. Oh, je vois un palmier qui reprend la vie. Qui reprend. Le Seigneur t'avait dit que tu seras comme un palmier. Mais ce palmier-là a été étouffé, étouffé, étouffé. Mais je le vois repousser. Ainsi dit le Seigneur, la vigueur va revenir dans ta vie maintenant. Ainsi dit le Seigneur, la force rentre dans ta vie maintenant. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. On arrête toute musique. On arrête toute musique. Si ce que j'ai dit au début t'a concerné, ce que j'ai dit au début, si ça t'a concerné, et que tu sens que ta vie doit reprendre l'éclat, la boue va partir, la poussière va partir. Cette maison abandonnée peut être habitable. Il rendra le pays habitable. Si tu sens que c'est à toi, il y a des arriérés que le Seigneur va repayer. Lève seulement tes deux mains. Si ça te concerne, je veux simplement prier. Et je t'exhorte, la première mauvaise semence qu'il faut enlever, c'est le péché. Débarrasse-toi du mal et tu avanceras. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, toi qui n'as jamais échoué, je présente cet homme et cette femme. Je l'incline devant l'autorité suprême de ta parole. Je le courbe devant la puissance de l'ainsi dit l'Éternel, afin que l'éclat, l'aspect, la forme reprennent. Seigneur, il y a des gens qui ont perdu ceci ou cela et qui ne pouvaient plus imaginer que ça pouvait reprendre. Mais si les cheveux de Samson ont repoussé ce soir, que la vie de cet homme repousse. Tu l'introduis dans une autre vie qui est au-dessus des lois de ses origines. De la même manière que ces arbres ont poussé, brûlant les conditions, je veux que la vie de cet homme et cette femme réapparaisse
en outrepassant les lois de blocage de tout le monde. Parce que tu nous as dit, nous sommes des rejetons. Nous nous basons sur cela afin de confesser que le plus petit deviendra un millier. Le moindre sera une nation puissante. Parce qu'en toi, il y a la capacité de devenir. Qu'il avance. Là où il était hier, ce n'est pas là où il doit être aujourd'hui. Et là où il sera demain, ce n'est pas là où il est aujourd'hui. Qu'il avance. Au nom de Jésus. J'acclamerai l'Éternel pour tous ses hauts faits, sa louange, Toujours dans ma bouche. J'acclamerai.